Ça y est, le décalage horaire, il commence à monter au cerveau. Waouh. Je crois qu'on est prêt. The sun on the window of my car, and I say, whoa, 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 to the summer on the mountain. No. See, I missed you most when the sunlight filters across these empty sheets and days in the sun. No, it's cold on your cheeks. See everything we need, love, I can feel in my bones. Oh, in days like these, in days like those. Ah. Hello les copains! Je vous retrouve ce matin, on est mercredi 4 novembre, il est actuellement 4h27, donc il est très tôt, je pense que ça se voit sur mon visage. Donc je vous resitue un petit peu, hier on est parti de Paris. Hier matin très très tôt pour aller à Francfort, ensuite à Francfort on est parti à Vancouver avec une autre compagnie. Il y en a plein sur Instagram qui m'ont demandé mais comment tu fais pour partir en vacances, on t'a pas trop embêté, comment ça se fait que tu prends une autre compagnie, blablabla. Je vous explique tout ça. Aujourd'hui je m'en vais pour Tahiti. Habituellement on fait deux allers-retours. Une fois à Vancouver, on part à Tahiti en duty, on revient en duty à Vancouver, on repart en duty à Tahiti, on revient en duty à Vancouver et ensuite on repart à Paris en positioning, c'est-à-dire qu'on sera passager. C'est habituellement ce qui se passe. Je pense que le moment où la vidéo sortira, on sera toujours en reconfinement, donc je pense que vous pouvez comprendre que le tourisme, ça fonctionne pas trop en ce moment. Du coup, le programme des vols est perturbé et je sais pas si ça va se passer comme ça. Pour l'instant, ce soir, c'est sûr qu'on part à Tahiti, puisqu'on a des passagers. Mais je sais pas si ce programme-là de on part, on revient, va se passer comme ça. Donc, on croise les doigts pour que ça continue. Mais sinon, bah, je rentrerai plutôt à la maison. Voilà. Aujourd'hui, ça sera pas forcément très intéressant puisqu'on s'en va pour Tahiti. Le pick-up est à 18h30. Du coup ouais, j'aimerais bien être dans ma chambre à 13h30, 14h, donc je pense pas qu'on va aller s'aventurer en ville ou quoi. Mais dans tous les cas, je vous emmène avec moi. À toutes. When I had you to myself, I didn't want you around. Those pretty faces always made you stand out in a crowd. Someone picked you from the bunch. One glance was all it took, and now it's much too late for me to take a second look. Ooh, baby, give me one more chance. One long sleepless night, let me show you girl. Il est 8h30, je viens de prendre ma douche. Du coup là je suis dans ma chambre, j'ai une suite de fou malade. Malheureusement on reste qu'une seule nuit, là il fait vraiment vraiment pas beau. Mais bon, je suis quand même à Tahiti. Je suis très contente d'être là, ça me fait trop trop plaisir. Le temps est berk berk berk. It's fun to lose and to pretend she's overboard, self-assured. Oh no, I know what to do. Je vais aller me voir. À tout instant, je me prends une saucée. Minuit 50. Je viens de me réveiller d'une nuit de 8 heures. Je me suis couchée, il était 16h30.
Ouais, il était 16h30. Je sais pas si j'ai bien fait de m'organiser comme ça, parce que clairement cette escale, c'est de l'organisation. Je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai vraiment pas fait d'activité. C'est tellement rapide qu'il faut qu'on s'organise par rapport à notre sommeil. On s'était donné rendez-vous avec l'équipage à 17h45 pour manger vers 18h et retourner dans la chambre à 19h. Clairement, j'ai vraiment pas eu la force après le bain là. J'étais en pyjama, j'étais trop bien dans ma chambre quand il est 14h là et qu'il y a de la pluie, le wifi fonctionne pas et tout. En plus, vous avez entendu, c'est vraiment de la pluie tropicale, genre la pluie qui nous berce. Et j'ai commencé vraiment à m'endormir. Du coup, j'ai dit, bon, bah les gars, clairement, je vais écouter mon corps. Là, je peux plus attendre. Du coup, j'ai mangé les macarons qui étaient dans ma chambre. Et je me suis couchée à 16h30. Et je viens de me réveiller là. Le programme de la journée. On vole toute la journée. On arrive à Vancouver à 18h40, un truc dans le genre. Donc encore une journée où on fera pas d'activité et où je montrerai rien dans la vidéo. Donc je sais pas si ce vlog sera très intéressant, mais vous êtes pas mal à m'avoir dit que vous vouliez voir les dessous du métier de PNC. Donc je vous montre ce que c'est se réveiller à 1h du matin en mode bon bah on commence quand la journée. Voilà. Yeah, when I all spoken at oh, hey, bitch don't call on my phone, hey, backseat pull it with the bros, yeah, never rest all of it froze. Well, I am so above you and it's plain to see, but I came to love you anyway, hey. So you pulled my heart out and I don't mind bleeding. Any old time you keep me waiting. Well, your mama kept you, but your daddy left you, and I should've done you just the same. But I came to love you, and my bond will bleed. Any old time you keep me waiting, waiting. I got a love that keeps me. On est samedi 6 novembre, il est 8h30 et je me suis préparée puisque ce matin, enfin aujourd'hui, on a une bonne journée de route puisqu'on s'en va dans les Canadian Rockies pour 3 nuits. J'ai préparé ma valise mais c'est tellement compliqué de préparer une valise comme ça, enfin c'est pas comme ma dernière escale où je suis restée, enfin on est parti à Montréal et j'ai pris 2 maillots de bain, un t-shirt, un short et c'était plié, là... Il fait un peu moins 17 dans le bled où on va. Du coup, bah, autant vous dire qu'il faut des pulls, des chaussettes, enfin le truc qui prend trop de la place quoi. Ma valise, j'ai essayé de la tasser au maximum. Mais encore une fois, on est 6 à partir dans une seule voiture. Je sais pas comment ça va se passer. J'en fais peur. Mais bon, bref. Tout ça pour vous dire que je suis trop contente d'être là et encore une fois je le dis toujours mais je m'estime très reconnaissante de pouvoir toujours travailler et de pouvoir explorer le Canada là pour le coup. Là, je pense qu'on va bientôt aller petit déjeuner et puis on s'en ira, je suis trop contente. En route pour le breakfast. C'est vraiment un style d'hiver. C'est Tahiti hiver. Voilà. Been traveling these wide roads for so long. My heart's been far from you 10,000 miles gone. Oh, I wanna come here and give every part of me. There's blood on my hands and my lips are unclean.
was in my prime, but I was naked, dressed in my pride. You saw through the things I hide. Yeah, still say, don't be stupid, you'll turn out alright. You made me run like I never run, try like I never tried, fight like I never fought, maybe wanted. You made me run like I never run, try like I never tried, fight like I never fought. Solitude pour vous reprendre et pour vous expliquer un petit peu. Donc là, c'est notre dernier jour dans notre road trip, enfin l'avant-dernier jour, on part demain sur Vancouver. Ce midi, on voulait aller se promener avec les loups puisqu'il y a une réserve de loups pas trop loin de là où est-ce qu'on loge. On a appelé hier pour justement savoir si on devait réserver ou quoi, puisque sur le site, on avait vu qu'il fallait réserver. La personne qu'on avait au téléphone nous a dit non. Donc on s'est dit, bon, ok, on va aller à l'ouverture. On est arrivé à l'ouverture et en fait la dame nous a dit qu'il fallait réserver et que bon bah le monsieur qui nous a eu au téléphone c'était un nouveau et qui s'était trompé. Donc du coup la balade c'était le matin et vu qu'on part demain matin, c'est mort. Mais on a quand même pu voir les loups, plein de renseignements sur les loups, c'était trop intéressant. Là je suis toute seule dans la voiture parce que j'avais trop froid, il fait genre moins 15. Et j'étais aux toilettes et en fait je crois que c'est ça, j'étais dans aux toilettes, je sais pas si on voit là, mais dans ce truc là. Et genre j'ai dû enlever mon pantalon et ça m'a congelé le cul, ça m'a congelé les fesses et j'arrive pas à me réchauffer depuis. Et du coup voilà, mes collègues là sont en train de regarder les loups se faire nourrir. Je les attends pas au chaud parce que à cause des loups, pas,
mettre la voiture en marche parce que le bruit du moteur ça les dérange. Donc, j'attends pas au chaud mais j'attends moins au froid. When we were younger, we thought everyone was on our side. There we grew a little bit and romanticized the time I saw flowers in your hair. It takes a boy to live, takes a man to pretend he was there. So then we grew a little and knew a lot. And now we demonstrated it to the cops and all the things we said. Being my eyes, being my heart, being my eyes, I, being my heart. One, two, one, two, three, four. So now I think that I can love you back. And I hope it's not too late, cause you're so attractive. And the way you move, I won't close my eyes. Oh, it takes a man to live, it takes a woman to make him compromise. C'est un très très bon vol. La chambre de la dernière fois était juste époustouflante, mais là, quand je suis rentrée dans la chambre et que j'ai vu, ça m'a carrément donné les larmes aux yeux tellement c'est beau quoi. Enfin, c'est incroyable, je vais vous montrer ça, c'est juste incroyable. La chambre, regardez. Ici j'ai la salle de bain. Pareil, douche et baignoire. Et là, regardez, genre, c'est gigantesque. Là, maintenant, à l'heure qu'il est, je me sens tellement chanceuse. Ouais, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance. Là, je vais faire une petite sieste. Et voilà. Après j'irai sûrement à la piscine, retrouver mes collègues et on ira manger dehors je pense. Et demain on part pour Paris, pas pour Vancouver, on rentre à la maison. Bisous, bisous.
when you're needing your space to do some navigating. I'll be here patiently waiting to see what you find. Wish you all a pleasant flight with us. À la réalité. Je vous retrouve, comme vous pouvez le voir, je suis à la maison, je suis bien arrivée. Ce fut un long voyage. Il est actuellement 7h56 à Papeete et hier matin je me suis réveillée à 2h45, ce qui veut dire que ça fait actuellement 29h que je suis debout. Et entre temps bien sûr j'ai travaillé et j'ai fait le tour du monde. Sinon je voulais bien sûr encore une fois dire, rementionner, surligner tout ce que vous voulez, que je suis très reconnaissante de mes collègues, de la bonne énergie qu'il y avait, enfin bref, cette rotation était encore tip top. J'adore mon job et pour le coup bah, faire ce job avec des gens qui sont géniaux, forcément ça fait que donner du bon. Et voilà, j'espère que le vlog vous aura plu. Bien sûr, si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et à me suivre aussi sur Instagram pour suivre mes petites aventures au jour le jour. Et je vous retrouve plus tard. Bisous, bisous.